Coucou, c'est nous. On est trop... Mais... Ah, c'est vous, ouais. On est trop contents d'être en direct. Voilà, la notification est partie. Donc, normalement, vous devriez la recevoir. Et commencez à vous connecter. Voilà, une personne. Wouhou. 12. 14. Trop bien. On est trop contents de vous retrouver. Tic et Tac sont là pour vous présenter nos deux nouvelles collections. Escape into Ibiza, la collection qu'on a sortie en octobre, et Escape into Costa Blanca, la collection qu'on vient de sortir en novembre. C'est ça, d'accord. Enfin, non, finalement, il y a une semaine, donc quand même. Oui, fin octobre. Bref. Donc, Héloïse et Marie sont là pour vous présenter les modèles. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez. Il y a un code promo sur normalement le titre du live qui s'appelle Live Anja. C'est ça. Donc vous pouvez choper en même temps qu'on fait la vidéo en direct. Et n'hésitez pas à poser vos questions le temps que les filles se changent, histoire qu'il y ait de l'interaction et qu'on ne soit pas trop potiches. Voilà. Du coup, les filles commencent avec l'hypnotique. C'est le modèle une pièce. On s'écarte un petit peu. Voilà. Donc là, il y a Marie qui le porte en bleu marine et Héloïse qui le porte en rouge. Donc, Marie fait un bonnet A36 et Héloïse fait un bonnet 90E et porte un 40, voilà, pour qu'il y ait quand même de la profondeur au niveau de la poitrine. Donc, vous voyez que honnêtement, y a un vrai soutien au niveau de la poitrine grâce à une découpe que Faustine a pensée au niveau de la poitrine. Je ne sais pas si vous la voyez. Ouais, y a le dessin un peu en vague, un peu rétro sur ce modèle. La matière est en côtelé, elle est hyper hyper agréable à porter, hyper souple, et ils existent donc en deux couleurs. Et de dos, en fait, l'avantage de ce modèle, c'est qu'on peut le porter de deux manières différentes, donc soit avec un effet croisé, soit un effet très épuré droit. Il y a des petits œillets sur le côté, pardon Marie, voilà, donc vous pouvez changer le sens de vos bretelles à ce niveau là Qu'est-ce que je peux dire d'autre? T'as dit les tailles que les filles portaient? Ouais, Marie porte un 36 et Héloïse porte un 40 avec un bonnet 90E. Donc il y a beaucoup de clientes là qui nous ont demandé récemment des maillots pour les... Vous pouvez vous retourner les filles, hein. Merci. des bonnets E et D. Et, voilà, typiquement l'hypnotique, franchement, tu te sens quand même... Ouais, je me sens très bien. Assez maintenu parce qu'en plus le point de l'œillet vient vraiment en dessous de la poitrine, donc comme on le serre, voilà, il vient vraiment à ce niveau là donc du coup il y a quand même un maintien malgré le fait qu'il n'y ait pas de baleine. On se sent quand même super bien dedans, quelle que soit la taille de la poitrine, et voilà. Matière hyper confortable. Ouais, matière, cette matière côtelée, c'est tout nouveau chez Anja, un côtelé dans ce sens là On l'a découverte l'année dernière et j'avoue qu'on a eu avec Faustine, on a eu un vrai coup de cœur sur cette matière. Elle est hyper, hyper agréable à porter et elle est toujours doublée avec notre petit film hyper doux comme sur tous nos maillots. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce modèle. Je rajouterai celui-ci, niveau prix, il est à 115€. Voilà, donc c'est le prix... Ouais. Voilà. Notre pièce. Donc là, les filles vont passer deux pièces. Je remonte un petit peu pour voir s'il y a des questions. Il y a quelqu'un qui posait la question sur le titre pour le code promo pendant toute la durée du live. C'est Live Anja, tout collé en majuscule. L-I-V-E Anja, ouais. Tout collé. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Je descends. Ça va trop vite, pardon. Comment peut-on voir le titre? Bon, ok. Il n'y a pas encore de questions ça, sur. Ouais. Ouais. Pas encore de questions sur les deux modèles. Donc là, on va enfiler le deux pièces qui s'appelle l'éblouissant. Donc là, il y a deux versions. Le haut, il est tout en brassière. Mais la version culotte haute ou culotte basse? Culotte haute, il y a un petit lien histoire d'avoir un petit détail, mais il est noué sur un seul point, donc on peut l'enlever. Je l'approche. Voilà, on peut l'enlever à ce niveau-là. Et la culotte basse, c'est un nouveau modèle
qui est un peu en mode tanga. Bon, attention, hein, c'est pas un tanga brésilien, c'est un tanga anja. Mmh. C'est légèrement plus échancré, plus large sur les côtés là, mais plus échancré sur la fesse, histoire d'avoir un beau dessin sur la fesse. Voilà, donc les filles, là, on a les deux versions, version culotte haute et version tanga. Si tu veux te tourner, Marie, pour montrer que ça reste quand même assez élégant, on n'est pas sur un tanga brésilien. Pour ce qui est de la culotte haute, du coup, comme Alexandra disait, il y a la petite corde que vous pouvez nouer soit devant, soit sur le côté, mais que vous pouvez aussi retirer assez facilement. Sur la brassière, donc là, Héloïse qui fait un 90E, bon, on n'a pas un maintien qui est forcément très optimum. Les bretelles sont réglables. Ouais. Ouais. Je pense qu'on peut faire ça. Ouais. Tu te sens comment dedans ? Je me sens bien, et là, c'est un 40. Ça, c'est un 40. Ok, oui. Donc si tu prends un 42, je pense qu'il sera un peu plus couvrant. Mais franchement, il est assez agréable et je sens que c'est couvrant. Donc si je saute ou quoi, ça... C'est vrai ? Te tape... Ok, bon, bah tant mieux. Ouais, avec les bretelles ajustables. Ah, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Voilà, et Marie, si tu veux tourner aussi pour qu'on le voit derrière de dos. Donc avec les bretelles ajustables, avec les petits détails... en or, donc il existe en bleu marine et en rouge. Donc là, la spécificité de ce haut, c'est que c'est un haut un peu plus sportif qui se glisse comme une brassière de sport. Et devant, pareil, on retrouve la découpe qu'on a imaginée avec Faustine, un peu en mode vintage, vague, devant. Donc le haut de l'éblouissant est à 60€, la culotte basse à 50 et la culotte haute à 55. Le tanga 50 et la brassière 60 et la culotte haute 60. Et avec ça, on peut vous montrer aussi la gamme de beachwear qu'on a sortie. Vous verrez, cette année, on a quand même une collection, une ligne de beachwear qui est un peu plus, qui a été un peu plus développée par Alex et Faustine pour cette saison. Donc on a une robe longue qui est un nouveau modèle, ainsi qu'un pareo que les filles sont en train d'enfiler. Regarde s'il y a des questions en attendant. Donc voici la robe longue, du coup il n'y a qu'une taille. Hein, pour ouais, c'est une taille unique. Donc qui reste relativement long mais qu'on a testé sur plusieurs silhouettes. Après là, vous pouvez L'idée de le porter c'est décolleté, c'est hyper fluide, c'est une matière qui est hyper hyper agréable à porter. Les manches ont un petit élastique sur le côté, donc vous pouvez la porter un peu plus blousée. Je sais pas si vous voyez la longueur du coup. Voilà. Donc voilà, c'est une robe vraiment à enfiler pour aller déjeuner au bord de la plage. C'est une matière qui, on le sait, après les coups de soleil, c'est l'enfer. On n'a pas envie d'avoir une matière rêche sur les épaules. Là, c'est vraiment tout doux, ça glisse sur la peau. C'est vraiment très, très agréable à porter. Je ne sais pas si... Ouais, non, c'est ça. c'est vraiment un voile très léger en viscose et cotex qui a été fait, donc produit au Portugal et sourcé en Italie. Et donc on a le pareo qui a le même imprimé, et alors le pareo peut se porter différemment. Donc là Marie l'a noué assez simplement autour de la taille, mais on peut aussi faire la version un peu plus old school, mais qui revient quand même très à la mode et qui est quand même extrêmement pratique, donc c'est-à-dire le nouer autour du dos comme ça. T'attaches pas un petit cheveu avec. Donc voilà, avec le dos nu, on peut aussi... Enfin, il y a plusieurs façons, on va pas toutes les montrer là ce soir, parce que sinon on en aurait pour 3 heures. Mais on a fait toute une vidéo, donc on la remettra en ligne bientôt avec toutes les explications de comment nouer votre pareo. Et c'est un pareo qui est fait exprès hyper grand, parce qu'on déteste les tout petits pareos, on n'arrive pas à attacher autour de la taille. Il est vrai, il ouais, fait... 2 mètres sur 1m50, non ? 1m90 sur 1m40, ouais. Donc c'est vraiment une grande pièce, dans la même matière que la robe. Voilà, c'est une grande couverture pour la plage, on peut s'allonger dessus. On l'a vraiment souhaité, voilà, grande taille. Voilà. Merci.
Alors, est-ce qu'on a des questions? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait notre, ouais, nos petits lives, là. Il faut qu'on reprenne un peu le, le rythme. Tanga, mais non pas vous. Non, mais je vous assure, le tanga, il est vraiment pas en mode tanga trop échancré, mais il y avait des clientes qui nous demandaient une des culottes un petit peu moins couvrantes. Donc, on en fait pour tous les goûts. Alors, y aura-t-il des motifs, d'autres motifs pour Paréo? Oui, alors, il y a un motif qui arrive là. Motif zèbre. Ouais, pour la collection Costa Blanca. Et il y en aura un autre pour cet hiver, pour décembre. Et puis, de toute façon, on en fera plein aussi pour la... Là, on a un motif zèbre que les filles vont vous montrer après. Voilà. Donc, qui... En fait, tout bleu marine. Ouais, bleu marine. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre collection Escape into Costa Blanca sont nos best-sellers. Donc, on a l'essentiel, le piccolo que vous avez adoré les saisons précédentes, l'idéal qu'on a sorti dans des coloris terracotta et navy. Donc, on a une jolie gamme terracotta navy qui est composée que de best-sellers et de vos modèles chouchous. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à nous envoyer des messages pour nous dire que vous étiez hyper contentes et que et vous avez. Enfin, voilà. Donc, on est. donc, c'est cool. A priori, elle vous plaît bien. Donc, ça, c'est trop sympa. Les filles sont en train de passer de la collection. Pour info, je le répète, il y a un code qui est valable pendant le temps du live. C'est Live Anja. Voilà, les filles arrivent avec. Donc, Héloïse porte le vertigineux, donc, qui est un de nos modèles phares. Tu veux t'avancer un peu, Héloïse, pour bien leur montrer, s'il te plaît. Donc là, pareil, vous pouvez le nouer au niveau des épaules pour ajuster la hauteur de buste. Donc après, à vous de choisir quel nœud vous voulez faire, si vous voulez faire un petit nœud ou un nœud un peu plus tombant. Là, on est sur notre modèle, donc le vertigineux, qui est un de nos premiers modèles. Tu veux que je serre la petite aussi ? Qui va vraiment au bonnet A jusqu'au bonnet E. Et Louise, là, fait un 90E. Donc, vous voyez que c'est quand même assez couvrant, qui vient bien sur le côté pour prendre pour épouser la poitrine. On a un joli décolleté devant et derrière, avec une culotte qui n'est pas très échancrée, qui reste relativement classique. Donc voilà, ça c'est le vertigineux qui est porté sur Héloïse et là Marie qui a un bonnet un peu plus petit qui lui va aussi très bien. Ouais. Voilà. C'est vraiment notre modèle adoré chéri qu'on sort un peu dans toutes les couleurs. Voilà, c'est la première fois qu'il arrive en bleu marine et on l'aime d'amour ce modèle. C'est voilà. Un bleu marine bien lumineux, profond assez éblouissant, je trouve. Voilà. Et qui se marie bien, du coup, avec... ça, c'est le Paréo, qui est le Paréo zébré, donc pareil. Ouais. Donc, c'est assez joli. Et vous pouvez aussi porter le Paréo qu'on vous a montré tout à l'heure. Qui va le vertigineux est à 110 euros, pour information. Donc ça, c'est notre modèle vertigineux et les filles vont vous montrer maintenant le modèle piccolo qu'on a eu précédemment dans une matière un peu nid d'abeille, qui était une matière un peu texturée, qu'on avait en noir et en blanc. Et là, il sort donc dans ces deux nouveaux coloris qui sont le bleu navy et le terracotta. Donc pour rappel, c'est le modèle qui se règle dans le dos grâce au petit nœud. Il y a une demande, va-t-il exister le vertigineux, va-t-il exister en plus échancré au niveau des fesses? Alors non, c'est une coupe qu'on adore, qui va à beaucoup de morphologie, donc on va le laisser tel quel. Après, libre à vous de prendre une taille plus petite, de baisser un peu les nœuds et d'avoir un effet un peu plus échancré sur les fesses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis en train de vivre un grand moment de solitude. l'idéal, c'est jouable en bonnet E. Ouais, Victoria Jeannot. Oui, il est jouable en bonnet E. Moi, j'ai un bonnet D, il est parfait. Il y a des pads amovibles. Les filles vont vous montrer. Héloïse va le porter et elle fait un 90E et vous verrez qu'il est, il est canon. C'est le seul modèle de pièces là, de la collection Escape into Costa Blanca.
Et franchement, c'est un bonbon, ce deux pièces. Alors voilà, Héloïse, du coup, avec le Piccolo. Donc le modèle qu'on avait en 2020, il me semble, qui a surtout un dos de dingue avec les petites bretelles que vous pouvez ajuster et grâce aux nœuds, en fait, que vous pouvez régler pour que le décolleté devant soit plus ou moins échancré. Voilà, donc là en bleu marine et Marie Bonnet A en terracotta. Voilà, c'est vraiment un modèle. Faut aimer l'échancrure devant, derrière. C'est un style. Nous, c'est un gros coup de cœur et je pense que beaucoup de vous l'attendaient dans des nouvelles couleurs, notamment nos best-sellers. Tu peux te tourner dedans. Voilà. Il est trop beau. Nous, passion. Donc celui-ci est à 115 aussi. De toute façon, nos maillots de bain ne dépassent pas 130 euros. Donc on reste toujours sur la même gamme de prix. Là, bah, les filles vont passer peut-être Héloïse l'idéal et toi Marie l'essentiel ou le doigt comme vous voulez. Ouais. L'essentiel, bah, vous le connaissez aussi, hein, c'est un modèle qu'on a eu plusieurs fois. Ouais, c'était un de mes premiers modèles en 2017. C'est un modèle que... plutôt simple, qui est très classique, très échancré devant, moins échancré dans le dos, donc parfait pour les plus fortes poitrines. Ouais, je confirme. Non, parce qu'il vient vraiment sur le côté. Ouais. Étonnamment, on se dit, en le voyant comme ça, on se dit, mais c'est pas du tout pour moi. Et franchement, ça vaut le coup de l'essayer. Donc là, on l'a en navy en terracotta aussi. Et je crois qu'il est toujours disponible sur le site en rouge, en vert et en aubergine. Je rappelle le code pour les personnes qui nous rejoignent. Pendant le temps du live, vous avez un code de moins 10% avec le code LIVEANJA. N'hésitez pas à poser des questions, histoire qu'on ne se sente pas trop seul. Hein, pendant que les filles se changent, on est là pour répondre à toutes vos questions. Il y a aussi Marie qui est là, ça y est, avec l'essentiel. Ah. Donc voilà le modèle essentiel sur Marie. C'est vraiment un de nos classiques qui tombe vraiment trop bien. Nous, on l'adore. Donc, très échancré quand même devant au niveau de la poitrine, plus que le Piccolo au final. Un peu moins dans le dos que le vertigineux. Le vertigineux, il va tomber là plutôt, l'essentiel là. Mais du coup, sur le côté, bon, Marie n'est pas l'exemple pour la forte poitrine, excusez-nous. Mais du coup, sur le côté, comme il prend bien sur le côté, pour les fortes poitrines, il y a un maintien assez intéressant et agréable. Je pense que tout à l'heure, Héloïse le passera pour que vous puissiez voir. Et il est en terracotta aussi. Héloïse le passera en terracotta, du coup, je pense. Du coup, Marie, tu peux switcher peut-être. Ouais. Donc là, pour les personnes qui nous demandaient l'idéal pour un bonnet E, bah voilà. Tu fais un 90E, voilà. Donc l'avantage de ce modèle, c'est qu'il y a des pads inclus, donc ça galbe la poitrine. Il est réglable au niveau du dos, au terme de tour de dos. Donc ça, c'est quand même...